C'est par là. Non, on revient, c'est à droite. Enfin, à gauche. Et Morgane ne t'a rien dit sur moi. Pas même... Morgane, j'espère que tu ne m'en veux pas, j'utilisais ton poste de travail. Le chef Yushin a refusé 13 fois d'accéder à ma demande de cesser. Et inutile de mentionner la 14e fois à Morgane, January. Je me suis permis de te ravitailler. J'ai trouvé de quoi manger en chemin, j'ai laissé tout ça sur ton bureau. Ne t'inquiète pas, tout est rien. J'ai vérifié, aucun mouvement bizarre. Le chef Yushin ne se trompe pas. Il n'y a aucun Typhoon Cacoplasmus présent. Merci, January. C'est la première fois que je reviens ici depuis ton petit sermon sur ma paraplexie. J'étais certaine que tu allais me virer. Malheureusement, tu avais un faible pour moi. Ça se voyait. Je ne t'ai jamais dit pourquoi j'avais falsifié mon dossier médical. Je sais que pendant ton sermon, quand tu me disais que j'étais égoïste, etc., je sais que tu n'avais pas l'ombre d'un doute. Mon père a été emprisonné car il a critiqué l'intervention soviétique en Inde. De nombreux prisonniers sont perdus dans des camps de travail sibériens. Mais mon père, lui, a complètement disparu. Tout ce que je savais, c'était que Transtar recrutait des volontaires dans ces camps de travail. Je suis venu là pour toi, et Alex, et vos expériences. Pour le trouver. Et maintenant, je sais qu'il était là. J'ai vu sur ton ordinateur. Tu as trouvé une liste de noms et de numéros d'identification du département psychotronique, du docteur Gallegos. On ne faisait jamais référence aux volontaires russes par leur nom, mais j'ai réussi à trouver un numéro attribué à mon père. On peut sortir son dossier, ses enregistrements archivés. Je t'ai déjà demandé beaucoup, mais si tu pouvais trouver cette archive dans le stockage, je vais enfin savoir ce qui est arrivé à mon père. Il s'appelait Yuri Andronov, V-010655-32. Oui, ça, je vais tellement le mémoriser, ça. Ok, on est en Russie. Qu'est-ce que t'as mis sur mon Morgane. Bureau ? Vous êtes resté coincé dans la simulation 3 semaines. Une pomme. Normalement, les tests ne durent que quelques jours. Sympa. T'aurais pu nettoyer quand même. Je veux te pousser, merci. Je veux te pousser, merci. Pas assez. Chaque neuromode prend un cliché de votre cerveau et modélise ce à quoi il ressemblerait si vous appreniez quelque chose de nouveau. Il effectue ensuite les modifications. Des milliards de connexions sont réorganisées en quelques minutes. Tout est rendu possible par nos amis de l'espace. Vous m'avez conçu pour vous assister. J'ai plus d'instructions, mais je ne peux y accéder tant que vous n'avez pas trouvé les 2 clés d'armement. Pas mal, pas mal. Ok, nouvelle mission de notre copine, la russe. Continue. Le père de Mikhaïla. Accès au terminal des archives sur les volontaires de stockage. Est-ce que c'est au même endroit? Évidemment que non, c'est pas au même endroit, c'est au stockage. Comment on y va? Passer par l'extérieur.
Ah. Oh la vache. On était déjà venu ici. Je me rappelle. On a. C'est l'heure de l'aiguille dans l'œil. Aiguille dans l'œil 4. Alors, l'aiguille dans l'œil 4. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on m'avait dit le feu, mais j'ai pas envie de faire du feu. C'est quoi ça contre. Ah oui, contre les machines. Copie fantôme, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'avoir trop de pouvoirs. Parce qu'après, il va falloir jongler entre les pouvoirs en fait. Enfin, je sais pas. Mais je sais pas. On va augmenter les stats. Hein. Ça, c'est comment ça marche, la transcendance? Transcendance améliore vos capacités. Une fois activé, le temps ralentit autour de vous et vos actions consomment moins d'endurance au niveau supérieur. Vous infligez également plus de dégâts en attaquant. Vous pouvez vous équiper de la transcendance depuis la roue des favoris. Oh. Quitte à être alien, autant jusqu'au bout. Ah ouais. Ouais, on va se concentrer sur alien après. Ah, donc c'est un pouvoir, un autre pouvoir. Transcendance. J'ai l'impression que ça a l'air super OP en fait. Et que j'aurais dû le prendre depuis le début et garder ça. Je croyais qu'il s'appelait Wesker. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu pété ça. C'est en 30 mètres, c'est loin. Ah. Tourelle. Ah, tourelle. Il faut des cartouches de fusil à pompe parce que j'arrête pas de le spammer en fait. Ça, c'est pas. Pas très malin en fait.
J'entends. Je crois que j'entends une bestiole. Non. Vous ne m'aviez sans doute pas vu. Ah putain. Eh oh 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 oh. Reviens. Scan en cours. Parti. Steven. T'es nouveau, Steven? Là en premier. Hey Steven. Wouhou. La voie est libre. Ouais, la voie est libre. Bonjour. Bonjour. Diagnostic en cours. Blessure superficielle. Rien de trop grave pour un équipe médical portatif. Et s'il vous plaît, ne bougez pas. Ça ne prendra qu'un instant. Il n'y a pas plus en forme que vous. Ah, il est là, ton terminal, tu te fous de moi. Notre assurance qualité de laboratoire. Ah non, c'est scientifique, ça. Il est toujours là, lui. Le fou. Le fou en cavale. Si c'était lui qui avait tué le mec, Steve. J'ai vu un des autres volontaires venir par ici. Un grand type. Cet enfoiré voulait pas me laisser sortir. Et je suis content qu'il l'ait pas fait. Je l'ai vu éclater la tête. Attends, bouge pas. Putain, il y a une bestiole. Mais t'es con! T'es con encore, non? Pas ma faute. Ok, là-bas. Pas la blague. Oh la blague. Ouais, il y a les tourelles maintenant. Oh merde. Et voilà. C'est quoi ça, saignement? Ah, hémorragie peut-être. Hémorragie, les attaques physiques vous infligent plus de dégâts, sprinter et sauter vous infligent des dégâts. D'accord, okay, c'est bon. On va le soigner, on va le soigner, j'ai compris. Alors, il me faut du gel. C'était pas mal le truc au ralenti. La course au ralenti, c'était cool. Merci Kelsey pour le follow. Bienvenue. Même si ça fait 26 minutes. Le seul pouvoir que je pouvais utiliser, car humain. Ah. Je pense que ça, augmenté au maximum, tu peux faire le jeu entier avec ça facile.
J'en ai pas besoin. Je sens que je vais me louper, je vais me faire électrocuter. J'ai rien dit, je suis trop bon. Demande de nouvel opérateur. J'ai toujours pas le pistolet électrique. C'est quoi cette merde? Mon jeu est cassé. Mon jeu est bugué. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Inspection en cours. L'intégrité de votre combinaison est étrangère. Laissez-moi la réparer. Examen terminé. Y'a pas de pistolet électrique dans mon jeu, c'est ça? J'arrive. Youhou. Putain, ça va être chiant. Doucement, doucement, doucement. Je suis complètement à l'envers. Normalement, on risque rien, il n'y a pas grand chose ici parce qu'on a tout fait. Y a rien, ça va. Je me suis brûlé ou quoi? Une grille qui vole, elle vient d'où la grille? J'ai entendu des bestioles. Y'a pas un truc à ramasser? Ah là. Je trouverai le schéma à un moment. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, ouais. Oh la vache, je suis dans le mauvais sens. Oh putain. Ah non, non, mais bon. Ah merde, merde, merde. Attends, s'il y a de la radioactivité, c'est... ça veut dire qu'il y a des bestioles. J'en sais rien, on avance. Ah, c'est de retour ici, merde, j'aime pas ici. Ok, pas cool. Ok. Gravité normale détectée. Je crois que dans un petit moment, on va faire une pause. Genre une pause de 10 minutes, un truc comme ça.
réussi. Beau travail. L'entrée du stockage se trouve derrière l'arboretum. Le bureau de votre frère se trouve aussi là-haut. Jupiter dans son palais, au sommet des cieux. C'est ce que vous disiez dans son dos. Mais dans ce cas, vous seriez qui ? Oh putain de merde ! Pluton ? Je faisais pas du tout attention en fait. Pistolet disjoncteur étourdissant. Rend les cibles humaines inconscientes. Les typhons, ils sont plus résistants, mais peuvent tout de même être temporairement immobilisés. Les entités robotiques peuvent également être neutralisées pendant un court instant pour détruire par le pistolet disjoncteur. C'est pas mal ça. Ce n'est pas mal. Par contre, je me suis fait défoncer comme un con. Ça, c'est chiant. Recherche de mimique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Morgan, comment vous sentez-vous ? Ce typhoon, aucune recherche n'en fait mention. Ne vous en approchez pas. Matthew, j'ai une question, disons, hypothétique à te poser. Je t'écoute. Tu peux y aller, Franco ? Je t'ai vu me reluquer les fesses dans mon uniforme Transtar. Si tu veux qu'on sorte ensemble, il suffit de... Non, c'est pas ça, c'est sérieux. Sérieux et hypothétique ? Eh merde. Bon, je t'écoute. Imaginons que t'aies découvert quelque chose qui relève de la haute trahison. Quelque chose de potentiellement mortel. À tel point qu'il faudrait en avertir tout le monde. Eh ben, je te dirais d'envoyer un email, d'appeler la sécurité. Quoi ? Mais ça doit être fait de façon anonyme. Merde, Manny. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait du tout. Pas encore. Bon, alors tant qu'on est dans l'hypothétique, je suppose que j'enfilerai une combi pour aller l'afficher en énorme sur l'écran de ce panneau orbital. C'est pas une mauvaise idée, merci. Et pour ta gouverne, t'as un cul trop plat pour moi. C'est ça. Personne veut parler du monstre énorme qu'on vient de voir. Officier Gia, ici le chef Elazar. Ici Gia, chef. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin de... Tant que vous y êtes, vous pourriez regarder pourquoi l'ascenseur est bloqué. Non. Ce serait bien plus rapide et plus sûr que de devoir retraverser les TEG. Pourquoi pas ? Officier Gia, ici le chef Elazar. Ici Gia, chef. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin que vous vous rendiez au stockage pour que le chef Shaw réactive le tracker sur Grant, Lockwood. Les RH l'ont désactivé comme prévu, mais nous n'avons aucune info indiquant qu'il soit parti en navette. Je veux savoir où il se trouve et l'escorter où il doit aller. Je m'en occupe. L'ascenseur, ok. C'était déjà tout sélectionné, ça va. Alors là, par contre, pour foutre les boules, ça va foutre les boules ici, je pense.
J'ai réussi à réduire le temps de maturation environ de 10 minutes par fruit. C'est assez incroyable de voir des graines minuscules pousser à vue d'œil pour devenir des fruits mûrs et bien calibrés. En 10 minutes, ça tue. Re Saphir. Le pompe et le pouvoir qui ralentit et plus de monstres. Plus important encore, j'ai réussi à obtenir l'accord du docteur Kelstrup. Kelstrup. Pour procéder à des essais à grande échelle de formule croissance, en fait, il ne reste plus qu'à la synthétiser et à l'injecter dans les systèmes de pulvérisation. Je garde précieusement le plan de fabrication sur moi, j'en connais plus d'un qui serait prêt à me le voler de découverte. Ouais. Ah, faut le trouver le machin, ok, ça marche. Ok, c'est parti. On a une petite mission ici à faire. J'aime bien. Je trouve. Je trouve l'endroit cool. J'avais bien entendu le truc. Oh mon dieu! Mais vous n'étiez pas là, j'ai parcouru vos rapports d'expérience, les plantes ne présentent aucun risque sanitaire. Vous devriez pouvoir passer à la phase suivante. Chop, c'est à moi. Tout à moi. Un peu peur ici. Je suis pas, j'aime pas trop. Il y a des gens à l'intérieur. Ça s'est ouvert? Non, il y a des gens à l'intérieur apparemment. Hé ! Hé, par ici ! Ouvrez cette porte ! Je vous en supplie ! Il y a un truc à mes trousses ! Sandek, il est juste derrière toi. Cadavre. Oh. Attends, je passe. Fais pas attention à moi. Ah, mais elles sont toutes détruites. Elles détruites celle-là aussi. Bon après-midi, Talos. La sécurité à bord de Talos One est l'affaire de tous. Envoyez vos demandes d'aide ou vos questions relatives à la sécurité à transtar.talos. Je dirais des araignées en fait, c'est dégueulasse. Horrible. Oh merde. Bon, on a un ascenseur principal, on va le voir après.
Ok, là c'est... Ok, maintenant on a la porte principale qui est ouverte. J'ai vu de l'eau. On a débloqué quoi comme aptitude? On a quasiment tout en fait. La régénération a l'air pas mal. La régénération s'active automatiquement. Hein. Enfin, de la description, j'ai l'impression que ça s'active automatiquement. Oh merde! Cartouche. Le pouvoir du fantôme invoqué, hein. Je pense que ça c'était pour aller dans le dos en fait du fantôme, mais vu que je l'ai fait exploser avec les tourelles, enfin je l'ai fait venir direct. Ah bah... Demande de nouvel opérateur. Parfait. Opérateur médical, transfert pyramide. Diagnostic en cours. Blessure superficielle. Rien de trop grave pour un médical portatif. Il n'y en a que pour une seconde. Il n'y a pas plus en forme que vous. Veuillez remplir le questionnaire de satisfaction afin que... Non. Pas... Non. Toujours pas le questionnaire. Non merci. Je teste ça sur les robots. Bonjour. Bonjour, on est reparti. Oh là. Ouais. Je n'avais pas vu que vous étiez là. Oui, non, je sais que t'avais pas vu. Ah, ok, non, mais c'est pour en faire un autre. C'est parti!
On va élucider le mystère des plantes et des bestioles. Une pupuce. Cette fois je l'ai vu. Cette fois je l'ai vu qu'on avait des puces. Par contre il me faut les neuromodes, neuronodes. Il faut ça. On verra ça après. Purger mon Discord. Comment ? Est-ce qu'il y a un autre moyen de rentrer ? Pas un truc au plafond, une ouverture. Non. Oh, ça a changé. Plage. Commence à prendre charge aussi, donc parfait. Je commence à prendre l'habitude des grenades farmeuses. Ouais. J'attends que la lampe se recharge. Ok, on est bon. Ok, de quel côté par contre? Parce que je suis perdu. Là, c'était les bestioles. Faut qu'on revienne à la serre. Je la trouve plus, la serre. J'étais parti. Bon. On repasse par là, du coup. Passe par là. Ou alors j'ai fait une connerie. Morgan, d'après ce que je sais, c'est un typhoon de type inconnu. C'est à cause de lui que l'ascenseur ne fonctionne pas. Il possède les mêmes capacités perturbatrices que le fantôme que vous avez libéré au département psychotronique, en plus puissante.
Vous devriez en apprendre plus en le scannant. Tous les personnels doivent se diriger immédiatement vers le point de rassemblement et attendre de nouvelles instructions. Il a... Mais je suis en train de détruire les trucs qui te soignent, c'est bizarre. Toi tu vas te prendre un IEM je pense. Je pense que tu vas te prendre un IEM, tu vas apprendre ce que c'est. Et ils sont des sons. Et je vais me bourrer la gueule. J'aurais peut-être pas dû les détruire en fait. Nul en fait. Ah merde, tu m'as touché. Joué comme une merde. Possède les mêmes capacités perturbatrices que le fantôme que vous avez libéré au département psychotronique. En plus puissante. Vous devriez en apprendre plus en le scannant. De nouvelles instructions. Bouge pas surtout. Bouge pas surtout. Beau travail. L'ascenseur est de nouveau en ligne. Ce typhoon a piraté tout le matériel, le système d'exploitation et même le code de la machine. Il l'a reprogrammé à la volée. Fascinant. Et inquiétant. Je peux rétablir le code. Vous ne devriez pas avoir de problème. L'ascenseur vous permet de vous déplacer rapidement entre les trois ponts principaux de Talos One. Il s'arrête au grand hall et plus bas au système de support de vie. Oui, c'est super intéressant, mais je voudrais bien ma récompense, moi.